notre petite vidéo de ma dernière acquisition que je me suis fait plaisir. J'ai acheté la Cat's Eyes de Tofacide. Il y en a qui connaissent mon addiction pour tout ce qui est léopard. Alors, je vous avais déjà présenté la Famous X Léopard, qui ne se fait plus d'ailleurs, c'est dommage. Cette marque a arrêté, son site a fermé. Donc, vous l'avez déjà vu, hein, c'est un petit, je l'ai pris en vacances aussi, celle-ci, puisque j'ai commandé l'autre après, hein, c'est toujours pareil, une petite trousse. Les couleurs sont très jolies, hein, c'est la léopard, je la montre rapidos parce qu'on va passer à l'autre. Léopard a un peu poudreux, mais qui tient bien, les couleurs sont là. Voilà, vous voyez, j'ai déjà pas mal gratté là. Voilà, et une petite glace. Voilà, caméra. Voilà. Et l'autre qui est... Bon, celle-ci a coûté 7 livres. C'était une marque anglaise, mais le site a fermé. Je suis désolée pour ceux qui la voulaient. Donc, je me suis laissée tenter par la Cat's Eyes de Tofacide, qui est pour les yeux verts, a priori, parce que sur les petits tutoriels maquillage, j'ai les yeux verts. Donc, j'ai les yeux verts, ça me va très bien. Voilà, et dans un joli packaging comme ça, Cat's Eyes, avec un petit chat. Avec 3 looks, 2 jours... de nuit et on va dire vampe, chic. On peut l'utiliser mouillé ou sec. Voilà, avec accompagné 3 eyeliners. Après, le packaging est tout facile, est toujours très joli. Voilà, elle est pareil comme ça. On va l'ouvrir. Et la boîte est bien parce qu'elle est en métal. Montrer. Elle se présente comme ça. C'est en métal, oui, c'est que de lire. Voilà, un petit imprimé comme ça. J'aime bien les petits formats, moi je veux dire pourquoi, parce que j'aime bien les transporter dans ma valise quand c'est trop gros, comme les tout faciles, j'ose pas les emmener en voyage avec moi. Donc c'est peut-être plus cher en petit format, mais je trouve que c'est plus pratique pour vadrouiller, pour voyager. Voilà, moi qui je cours. J'aime pas les grosses palettes, après ça ne me fait pas le cœur de les prendre. Voilà, après on dit les yeux de chat, c'est le plus sexy depuis l'ancienne Égypte, de la mode aux années 60 aux années 80. C'est toujours une icône de beauté essentielle d'avoir les yeux de chat. Le classique a été mis à jour, avec 9 mattes brillants. Et glitter texture dans des tons cool inclus par 3 mouillés ou secs formules pour une imprécision intense et une finition parfaite. Ouais, je lis en anglais alors que c'est en français dessous. Le look intemporel Cat's Eyes s'est glamourisé de l'Égypte ancienne aux années pop 60, aux années punk 80 jusqu'à aujourd'hui. Ce style a toujours été un essentiel beauté iconique. Ce classique a été actualisé avec 9 textures matérisées et pailletées dans des tons chauds et doux. Contient 3 formules à utiliser, sèche ou mouillée. Bon, précision intense et un liner parfait. Durée 12 mois. Il y a 3 eyeshadow, voilà, de grammes. Et 6 eyeshadow de 9 grammes. Voilà, c'est quoi ma nage. Fait aux États-Unis, assemblé en République Dominicaine. Voilà, je m'embête à lire en anglais, mais ça c'est tout moi. Je vous l'ouvre, hein, que vous me dites que vous en foutez royalement, mon baratin. Voilà, là vous avez les phares, avec les noms des chats que j'adore, si vous le voyez. Il y a Fran, Marron. J'espère que vous voyez, comme ça vous devriez le voir. Ah voilà, il y a... Alors, ça marque par horizontale, hein. Il y a l'arcade, la paupière, le liner. L'arcade, la paupière, le liner. L'arcade, la paupière... Le liner sec ou mouillé. Et en haut, vous avez comme une petite glace quand on enlève le petit bouquin. Voilà. On montre comme ça, vous verrez mieux. Avec les propositions de maquillage, bien entendu. Qui est toujours très sympa, je trouve, pour ceux qui... Un cat-tight, it's alright, mao. So. Avec des petites phrases très sympathiques. Voilà, ça s'ouvre comme ça. Oui, designing, signature glamour qui est tout tech girls. Je vous fais une petite phrase en anglais là, je vous la montre. Que moi, mon anglais, moi, voilà, on est fâché. Et voilà. Et ouais, en plus, c'est en français après. C'est moi qui me complique la vie. Dur de reprendre les vidéos.
Nous avons créé nos palettes et nos cartes d'instruction pour nous permettre d'être sublimes facilement. Ces trois looks sont un bon début, mais ne vous arrêtez pas là. Une fois que vous aurez maîtrisé ces looks, continuez l'entraînement. C'est fun d'être une femme. Un kataï, c'est tellement félin. Et comme il a raison. Voilà. Et vous avez trois styles sur les yeux verts, comme vous voyez. Un style de jour. Je vais peut-être me mettre à parler français, hein. De jour, que j'aime beaucoup, tout ce qui est marronné comme ça. Voilà. Deux classiques qui s'appellent. Ça va être le rosé. Et le fashion tendance, c'est le marron argenté, le rosé mauve, et ça, c'est le marronné doré. Et ça peut aider pour ceux qui débutent dans le maquillage, et puis même si je trouve ça très sympa, les petits bouquins qui vont être tout faciles. Hop, voilà, je referme, je touche ça avec précaution. Alors voilà, je vais vous les watcher. Swatcher, ça j'ai toujours. Voilà. Alors, comme vous voyez, il y a le pour on va commencer par ligne d'œil. Le j'adore ce bruit, c'est quand le chat il fait il ronronne. C'est un blanc un peu irisé. Voilà. Voilà. Après, il y a le Tiger Eyes qui est un caramel doré qui est très joli, voyez. Mettre là, ouais, il marque bien, hein. C'est qualité meilleure que Famous Silk. Et il y a le léopard qu'on peut utiliser en sec ou mouillé qui est un marron irisé, un peu. Voilà, et mettre là, voilà, là, ouais, je peux le faire. Un peu mouillé, mais voilà, mouillé, ça donne ça. Ouais, ça marque tout de suite plus. Après, vous pouvez faire un dégradé ou le contour des yeux. Moi, je dégrade plus que je ne. Ah, il manque une petite lingette nettoyante. Et vous faire la ligne classique, je dirais un petit banane, le marron. C'est assez naturel, hein. C'est un petit banane, ouais, c'est ça. Ouais. Après, il y a le Pussycat qui est un très rose, très joli rose. Rose rosé, rose bleuté, irisé. Voilà, ouais, un peu lilas, un peu. Ouais, c'est un rose bleuté. On va le mettre là. Voilà. Après, ah, ça me fait mal au cœur. Le Jungle Love, qui a l'air d'être un violet foncé pailleté. Hop là. Voilà, vous voyez, il est très beau. Là, il n'y a plus de soleil, bien sûr. Voilà. Et je vais vous faire mouiller. Qui doit faire après plus. Voilà, vous voyez, ça fait un peu plus foncé. Le soleil, il va ressortir. Ouais, c'est presque noir, mais il y a des paillettes rosées. Je sais pas si vous les verrez. Les paillettes mauves, lilas, rose, rose, ouais, je dirais. Ça va bien là. Et on va faire la dernière ligne. Après un petit nettoyage. De toute façon, ça ne vient pas, je fais sur l'autre main. Sandrine, je sais que toi, tu mets les petites lingettes et tout ça bien organisé. Moi, c'est le bazar. Et après, on va faire la dernière ligne fashion. Et là, c'est pour les sorties. Hein. Là, vous voyez, il y a le noir et l'argenté. Un petit pétale, je dirais. C'est le rosé, celui-là. Alors, le fashion, c'est le cotton, celui-là. Le cotton. Voilà. Désolée si mon doigt est un peu sale. On va le mettre là. Voilà. C'est rosé, hein, ça marque. Après, il y a le Kitty Glitter, qui est un argenté. Voilà, comme vous voyez. On va mettre là. On va mettre un peu plus.
si vous voyez, le soleil il est capricieux. Ok. Ouais, il est bien argenté. Hein. Moi je vous dis, on voit. Mais c'est pas cirisé. Vous voyez, c'est pas des paillettes, paillettes, paillettes. Hein. Ça reste. Et le panthère qui a l'air d'être un noir mat. Je dis galère. Hein. Ok. Pas longtemps que je le recoupe, excusez-moi. Moi, j'adore les noms. Hein, que les fans de chasse, il faut l'avoir. Hein. Voilà. Ah non, c'est un noir avec des irisés un peu. Je ne sais pas si vous le verrez. Il est un peu irisé. Il dit bien un peu. On va mettre là. Voilà, là, c'est sec. Et je vais faire un petit coup de langue noire. Hop. Voilà. Et là, je l'ai mouillé là. J'aurais voulu le faire peut-être un peu plus. La langue toute noire, voilà, là c'est mouillé, là c'est sec, c'est, ça fait un dégradé en noir et puis mouillé pour faire le contour plus accentué. Voilà, ça fait trois looks félins. Pour les yeux bleus et verts, je vous conseille fortement. Moi ce que j'ai utilisé le plus souvent c'est ça, vous savez, je peux expérimenter ça, et ça, ça va être plus être en soirée, voilà, et qui vaut une trentaine d'euros. Après, vous pouvez trouver des promotions. Je vais regarder s'il y a des promotions en ce moment sur Sephora. Voilà, avec en métal. Là, c'est en plastique. L'intérieur est en plastique. Mais l'extérieur est en métal. Ça se ferme très bien. Vous voyez. Voilà. Très bonne, très, très jolie. Je vais remettre le petit papier. Dans son petit carton. C'est un investissement pour les amoureux des chats. Voilà, ça c'est la Cat Size de Too Faced. Et ça, c'est la femme aussi, ce que vous trouverez plus. À moins de. Parce qu'ils ont arrêté. C'est à peu près. Vous voyez, elle est plus petite. C'est pas exactement la même couleur. Ça se complète, quoi. Et ils mettent des yeux verts sur le modèle. Voilà. Eh bien, à l'occasion, j'essaierai de faire un petit tutoriel maquillage, mais il y a longtemps que je l'ai reçu, je la regarde comme un trésor. Allez, gros bisous, à bientôt.